Bien oui, en fait, c'est le deuxième jour de Ramadan. Nous sommes donc en face du petit zodiaque Corsica Ferré. Pourtant, ça fait au moins une heure qu'on est là. Mais les voitures, ils sortent seulement avec la vieille grue de... Les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Bon, on va dire comme ça. Mais... Et le vieux side. Ouais, délirant lui. Ah mais je l'ai vu. Le side à la bonne game. Ça va. Et le capitaine prend son takiwalki. Ça y est, ils sont tous sortis. Et les petits vérins. Pourquoi il remonte la trappe? Il repart pas à plein. Petit rouleau de corde. La vieille grue que laisse tomber le câble et le truc là. Là aussi, il y en a un tout petit. Il y a à peine des méchants vérins. T'as vu, fait, il y a deux tout petits vérins. Pour... Moi, ils enlèvent les cordes en bras, l'autre, il a le 125. Il y a des tout petits vérins. Mais ça veut dire qu'il va repartir à vide, puisque regarde, là, il remue l'eau, là. Ça veut dire qu'il repart à vide. Regarde, t'as les terrasses à Poufias et tout, t'as l'escalier. Salle de cinéma, machin, ce que tu veux, t'as le fil là. Il est pas méchant. Ah, celui-là, là, il risquera pas de le détendre. Mais là, déjà. Ça va, les petits vérins. Hein, dire qu'il y en a un qui avait coulé à cause de ça. Ils sont partis là, la porte a été mal fermée. Ouais, le kawa, il est propre. Hein. Oui, il remue de l'eau là déjà. T'en trouves plus des kawa comme ça. Mais il est encore accroché. Et quoi, le mec, il vient juste, il est décrocheur de cordes. Bah ouais. C'est comme le mec qui sort les poubelles ou quoi. Voilà. Tiens, on va étudier la question peut-être. Vas-y, comme ça remue de l'eau déjà. Après, j'aimerais bien savoir dans quel sens qu'on va le partir. Un peu de mou sur la corde. Voilà. Si bah, la corde, la corde, elle se prend dans les. Là, le rouleau qu'il y a là-bas. Un putain de rouleau de corde, laisse tomber. Il est beau le kawa. C'est plus comme avant. Ben on l'a vu rentrer tout à l'heure, celui-là. Attends, mais je vois la manœuvre. Bon. Là. Regarde, ça y est, manœuvre, Peg. Babord tout. Ça va, ça remue de l'eau. Hein. Là, le mulet, il passe pas par là. Hein. Il va sortir, regarde, ça remue de l'eau. Hein. Regarde. Pression à droite, d'abord tout, il finit de remonter la corde. Je crois qu'il a le rétroviseur, il se tient comme ça avec le volant, il regarde derrière. Là, il y a des mecs partout en fait. C'est ça, je me rappelle. Là, avec le petit bateau, il va se faire courir. Regarde. Ça va, c'est impressionnant. T'imagines qu'avec Jacques, on avait traversé en nageant là, et le corps s'y sortait. Ah. La peur qu'on a eue. On avait un petit bac la pneumatique, tu vois, tu sais comment on a été bougé là avec ça. Tu m'étonnes. Fulguro truc. Film. On a traversé avec Jacques de là, le machin vert là, de là à ici, au moment où le corps s'y sortait. Enfin, nous on voulait pas faire exprès, mais on s'est pris un remous. On a vu l'avant du bateau, fait, et personne n'a. Mais nous on a eu peur.
Ça, je l'ai vu, ça, ce fabricant. Ça, je l'ai vu, ce fabricant. Regarde, ça remue de l'eau. Hein. Ça remue de l'eau loin. Ça balaye par terre. Le mec, il va faire un tour, quoi. Il repart à vide. Donc, ça veut dire qu'il repart à vide. Ils ont tout déchargé. Et pourquoi ils ne rechargent pas? C'est complètement con, ça. C'est du pognon pour rien, ça. Ça, je me rappelle quand ils ont construit ça. J'ai vu les mecs qui plongeaient avec les... Qui soudaient, là, qui les coupeurs. Le mec, à un moment, moi, j'étais là. Mais ça fait pas très très longtemps. Hein. Bon, ça fait 25 ans. Ça fait pas très très longtemps. Je vois le mec, il a la combinaison. Je le vois, il commence à descendre dans l'eau avec la flamme et l'oxycoupeur. Carrément, bah, j'étais jeune, quoi. Je le vois descendre l'oxycoupeur dans l'eau. Dans ma tête, je me dis, bah, ça va s'éteindre, c'est normal, c'est dans l'eau. La flamme a continué, j'ai capoté. Des putains de bulles. Vas-y, il y a la marche arrière intégrée de tout. Enfin, il sent en marche arrière, le mec. Vraiment, t'as le capitaine du port qui doit venir, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Vous voyez peut-être déjà dans le bateau. T'imagines la cabine de pilotage, c'est pas un Airbus, mais... Il est beau celui-là aussi, là. Ouais. Putain de GPS ou quoi. Magnifique celui-là aussi. Avant, ils avaient pas ça, les marins. Regarde, il y a... Comment rase votre chien? Un Shiba Inu. Ils sont trop beaux. Chaque fois que j'en vois, un mélange de petits renards. Oui, au nounou. Calme. Il sort en marche arrière à vide. Il sort en marche arrière à vide. Ah, le voilà, le capitaine. C'est pas celui du Concordia. Lui, il est parti pour 17 ans. Hein, Si. Oui, il y avait un documentaire, je crois que c'était la semaine dernière. Il était super intéressant. Ils ont montré quand ils l'ont remis à flot. Ils ont mis 2 ans, hein, quand même. Ouais, voilà, ouais. Et en fait, il parlait, voilà, le capitaine, là, il s'est pris 16 ans. Je comprends pas pourquoi il repart à vide. Ouais. Non, il en fera pas 16. Ouais, voilà, c'est un peu comme chez nous, là. Ah oui, plus de 30. Ben, ouais, il... Ben, il y a peut-être des... Il s'en passe tellement. Putain, il sort en marche arrière, pour du bon. Reste de gras à droite, 12 degrés à gauche. Il y a des gens dans les cabines quand même, il y a des gens. Il y a quand même des gens dans les cabines, il y a quand même du monde dedans. Attention, hein, ça. Putain, il prend les watts là. Ça avance à 30 nœuds. C'est ça que ça fait des balles terribles. Hein. Avant on n'en avait pas ici des balles. Non. Ouais, ouais. Le NGV c'est un peu plus petit en fait. Ouais. Mine de rien, il avance. Ouais. Et ouais, il va reculer par là-bas, à gauche du phare, et pas. Disons, s'il n'y a que 2 canots de sauvetage, c'est un peu l'edge. S'il y a 2000 personnes, avec 2 canots, ça va pas aller. Une seule fois j'ai pris le bateau, ma vie. Jeune, il vient de sortir de là. Et j'imaginais que là, j'avais 20 ans, on m'avait dit, Michel, prends plein de choses à manger parce que tu sais la Corse. Et moi, dans mon idée, la Corse c'était comme dans le Astérix et Obélix, vous savez. Ah, mais je vous promets, je crois qu'on était un peu concon. Hein. Alors j'avais pris des poulets crus, j'avais mis ça dans la glacière, dans la voiture, on était parti, tu sais, avec Franck et tout. Et on est arrivé là-bas, les premiers kilomètres qu'on a fait en voiture, le premier truc que j'ai vu, c'était un carrefour remarché. Bon, d'accord. Moi, j'imaginais la Corse comme à l'époque de... Ouais, non, c'est sûr. Mais quand même, il est sorti en marche arrière. Ça va vite, hein, marche arrière. Là, pour que faut capter le demi-tour. Attends, mais je vais avancer un peu. C'était celui qui a tapé dans la tour de contrôle il y a quelques années aussi. Ouais, ouais. Il est arrivé trop vite dans le port. Il a défoncé l'arrière. Non mais évidemment, il a tapé la tour de contrôle. Mais je sais pas si c'était en France ou... Non. Si, on est là. Ah d'accord, ouais. Celui-là il est très dans le centre. Lui c'est un méchant bestiau quand même.
Là, il le sort en marche arrière. C'est le demi-tour que je veux voir. Ça fume un peu, mais ça va. Voilà, ça doit pas être le capitaine du Concordia. Hein. Putain, c'est super à l'église. Bon concert. Oui, tous les jours dans Retour vers le futur. Toutes les nuits, j'y vais. Après, si tu peux plus y aller, ça gonfle. Voilà, on commence la manœuvre. Bah, pour tout. Triso-tribord, on ne peut plus y aller. Ils ont mis des putains de grilles, c'est Escrozis. L'inox, il offre avec des crochets pour passer, bon tu passes. Hein. Mais faut se faire chier. Regarde, regarde la manœuvre. Et hop, bigé à l'avant. Juste pour voir la manœuvre. C'est pas un pédalo là quand même. Allez mes patates. Il repart à vide. Pas normal ça. Je crois que ça pèse plus lourd qu'un avion, ce truc-là. T'as tout filmé, le créneau, la marche arrière. Tout. Même, ouais, même les petites qui se font des selfies, là, des machins. Les dames là-bas, elles connaissaient la paillole et tout ça. Vas-y, il n'y a rien à passer là, on va passer, on va aller voir au bout. Si on peut descendre au moins. T'as vu l'engin quand même?
Là, c'est pas le périscope pédalo. Hein. Le capitaine, il est encore à côté. Oh, le sortir en marche arrière, quand même. Fait. Le créneau là-bas, oh, ça va. Il y a encore les marques dans l'autre. Ça, ça donne à manger au mulet ou quoi. T'sais. Ça remue bien la merde. Et capitaine, il rentre. Capitaine. Et c'est parti. Bon, il y avait du monde à bord, mais plus de véhicules. Il est à vide là. Tu vois la ligne jaune et tout. Il n'y a rien dedans. Il va faire le plein sur Toulon. Ah, ouais. Toulon bah. Bah, si il va là-bas, il retrouve encore sa vie, ça mettons les deux. Ouais. Mais maintenant, s'il fait tirer droit, il va sur Toulon faire le plein sur Toulon. Ah. C'est pour les encore, c'est pour le tour. Et ouais, normalement, il va par là. Il part vers là, quoi. Mais il est parti avec 10 véhicules. Il venait de tout décharger, là, un instant. Ouais, je l'ai filmé au début. Il a tout déchargé, ouais. Il va lui à plein. Hein. Ça ne marche pas vide. Hein. Comme les smirmorques. Hein. Là, apparemment, il va vers Toulon. Ah, ouais. Peut-être, c'est possible. Toulon, c'est le plus près, hein, parce qu'après, il y a un Toulon-Marseille. Oui.